Et salut à tous. Bon, ben on va pouvoir préparer un petit peu les combats. Donc je vais prendre l'écho d'amis. Donc qui veut se battre? Au passage, je vois qu'il me faut faire un petit réglage de dernière minute. Magnifique. Pourtant, c'était préparé. Et bonjour à vraiment bonjour à tous, Evie, ravie de t'avoir sur le live. On va voir si au niveau des combats, ce que ça donne. Donc je commence par des combats, je ferai après du Shiny Hunting. Je ferai à peu près. Allez, je vais faire à peu près 1 heure de combat. Ça dépendra de la demande, vraiment. Donc j'ai préparé mon équipe. Vraiment salut, salut à tous, je vous vois tous dire bonjour. Oui, je sais, je panique un peu. Oui, il y a quelque chose qui me choque. Le son, où est passé le son du jeu? Voilà. Bonjour Maratov. Allez, je vais prendre les codes amis en premier. Allez. D'accord, je me suis connectée. Non, je devrais prendre les codes amis. Donc mon code ami est en haut à gauche, en dessous du Twitter. Donc je vais me faire ma petite liste. Donc déjà Impétu en premier. Au niveau des combats. Ensuite, je combattrai Eevee. Donc du coup je vais rajouter le code ami. Donc là c'est le moment de balancer vos codes amis si vous voulez me foutre une raclée. Alors Pokéfan aussi en troisième. En quatrième. Doctor. Et le fameux bug de l'écran. Magnifique! J'adore quand ça arrive comme ça, c'est bizarre que ça me fasse ça quand même. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Enfin, je sais pas si vous m'entendez bien ou si vous entendez bien tout court. Alors bonjour Kalinor, et oui je joue Strat. Mais je joue pas forcément en OU, je joue surtout avec le format de jeu online. Mais je peux très bien faire des teams OU, y a pas de souci. Les Uber on va pas. C'est. Hop, dans le format jeu online, il n'y a que Amphinobi qui est Uber en OU et qui est accepté. Mais sinon, je préférerais éviter. J'ai pas forcément des équipes très très compétitives comparées à de l'OU, quoi. D'accord. Juste quand je me reconnecte. Une personne qui me donne le coup. Donc moi je fais ma liste à côté. Non non non, Impétu non. J'aimerais pas les voir ça. C'est pas que j'ai aucune chance de contre eux, hein, mais c'est que j'ai. Quitte à prendre une fessée, je préfère que ce soit vraiment avec des équipes qui soient soit vraiment originales, soit qui soient super bien construites. Donc Kalinor, je vais prendre ton code ami et ensuite je vais commencer les combats. Donc la prochaine session de combat, une fois que j'aurai fait mes 5 combats, sauf si j'ai bien sûr j'ai des personnes que j'ai déjà un ami sur cette console qui veulent se battre, ce sera du Shiny Hunting. Hey, salut Lynn!
Bon, allez, on va tester avec Exagide. On va essayer. Oh! Merci Evie pour le follow. Merci Kalinor pour le follow également. Salut Robac. Bah, allez, cette fois-ci, on va démarrer. Et je vais me faire latte. Allez-y, c'est permis. J'ai bon, cette fois-ci, par rapport à avant-hier, j'ai préparé ma team. Donc, je l'ai faite sur PokéTools. Donc, normalement, ça devrait passer. La balance défensive est nickel. Donc, on va voir ce que ça donne maintenant. Il faut tester. Donc, le premier à combattre, donc c'est Mpétu. Après, ce sera Eevee. Alors. Et au passage, faut quand même que c'est bien joli de tout ça, mais j'ai pas envie de vous montrer mes attaques. Alors, voyons voir. Voilà. Un peu l'esprit au niveau des combats. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah! On va mettre un petit gif. Voilà. Salut Kira. Merci. Eh ben, on veut pas accepter le combat? Donc sachant qu'à côté je fais quand même un petit peu de Shiny Hunting, je fais quelques œufs. Manière. Alors, Lynn, Ima, ça va pas le faire là. Donc oui, je peux faire des teams. Après, j'ai jamais dit qu'elles étaient bonnes les équipes, hein. Parce que ça peut vraiment être des grosses bonnes équipes de merde aussi, hein. Ça arrive. Mais j'ai deux équipes en réserve. Donc on va voir si une ça passe pas, je prendrai l'autre. Ouh. D'accord. Qu'est-ce qu'il va guider là-dedans? Un champignon en lead? Non, ce serait... Je sens bien l'insolourdeau. Je vais faire ça comme ça. Eh ben, ah, Robac, t'es vraiment, vraiment motivé. Ima, si tu veux un petit entraînement contre moi, n'hésite pas. Joli les leg sprints. Je m'attendais plus à l'insolourdeau ou au champignon en premier. Alors, ça sent la méga évolution et le change éclair à plein nez. Non, même pas retiré.
Ah, l'Estaros. Ça. Alors, si je me souviens bien, Staros a un nœud d'herbe. Ça va pas me faire plaisir. Merci, docteur, pour le follow. Ça sent trop le nœud d'herbe. Ça dépend en fait. J'aurais pensé au nœud d'herbe. En fait, j'aurais mieux fait de rester. Et le truc est. Le Staros Scarf, la plaie. Vas-tu rester sur ça? Oui, Staros a beaucoup de d'attaques qui peuvent être pas mal. Mais quand tu veux passer des tanks spéciales haut, le nœud d'herbe il est quand même bien. Et puis pour un tranchodon, ça dépend du set en fait. Hein. Est-ce que tu veux en faire? Mais je prends mais tellement cher avec ce Staros. Salut Benito. Si je switch, je vais me prendre un tonnerre. Non, même pas. C'est vraiment une saleté ce truc. Et à la fois, il faudrait vraiment que je connecte mes deux neurones en ce moment parce que j'aurais pu m'éviter de perdre bêtement ma limace en fait. Parce que choc psy, il y a quelque chose qui est très bien pour ça. Non, en fait, le problème de mes teams, c'est moi surtout aussi. C'est que si je connecte pas mes deux neurones pour jouer correctement aussi, ça le fait pas. Il fait super mal.
Au moins, je me fais pas un 6. Je prends pas 6-0, c'est juste que. Je réfléchis pas assez. Les vampigraines avec le chapitre, ouais, pourquoi pas. Ça sent le dynamo point. Enfin le Mac Punch même. Est-ce que je dis dynamo point moi? Abri, d'accord. Ça pardonne pas le lance-flamme de l'arbre sur Chapi. Le seul problème, c'est que quand je commence à jouer, en général, à bien même à être dans la partie, bah, c'est fini. J'ai mal. Salut Yeso, je suis en stream. C'est pas grave. Allez, dernier. Je stream sur Pokémon en ce moment. Ok, merci. À toutes. J'ai oublié que j'étais sur le TS de la communauté pour... Aïe aïe. Je fais vraiment les trucs à l'arrache aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, pas le regard médusant, non! Saleté! Salut Zekrian! Oula, j'ai un sale lag. Non, la connexion va pas me lâcher quand même. Ah non, c'est pas moi. Ah non non, j'ai pas rage quit. Hein. Il y a eu un freeze. En fait, et de ce freeze, j'ai pas rage quit. Hein. Sachant que j'aurais pu avoir l'insoulourdeau. Non, c'est pas du rage quit. Je sais pas. Bah moi ça va, Zekriam, et toi? Et je viens de regarder ma box, il n'y a toujours pas de problème d'internet impétueux. Hein. Même si je pense qu'après, bah, sur le Gulabre, je pense pas que je pense que l'insoulourdeau, j'aurais peut-être pu le passer, et encore avec atterrissage derrière, c'est pas dit. Mais en général, je vais jusqu'au bout.
Donc, Impetus, si tu veux bien, on refera un combat, mais tout à l'heure. Vu que ça a planté à la fin. Mais que le combat était bien avancé. Comme ça, je passe à Eevee. Manière de jouer un petit peu contre tout le monde. Merci Marotov pour le follow. Ah, je m'assoule les pieds, on y est à côté. Ok, c'est moi, j'ai noté dans l'ordre. Après, si vous vous êtes trompé de code ami, par rapport au mien, ou moi, à ce moment-là, vu que tu me disais qu'on était en ami, je te rajouterai après. Il faudra que tu me redonnes le code ami. Donc, je ferai juste une interruption, vite fait. Il n'y a pas de souci après. Non, c'est pas forcément prendre cher, hein, Evie. Là, je suis pas. Vu le premier match, il y en a qui diraient que je suis pas en forme. Il y en a qui diraient tout court que c'est. Je suis toujours en mode blonde. Image, te vois arriver. À 10 km. C'est pas grave, tu coupes le son. Si, au niveau du chat vocal. Un Pyrax, déjà, je vais prendre cher. Un Scorvol. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Amen. Et en plus, je vais me taper. Enfin, je vais me prendre un Dracaufeu X, mais je le sens gros comme une maison. Oh, magnifique le Pyrax Shiny. Alors lui, j'aimerais bien l'avoir. C'est je le veux, mais je l'ai pas encore. Retrait de Pyrax, normal. Scorvol sur un Nidorois. Alors Scorvol avec contre. Faut vraiment pas jouer avec le. Contre un truc qui peut avoir le laser glace. Alors moi je ne power save pas mes teams, donc les shiny sont vraiment des shiny que j'ai eu moi-même. C'est le Drascore et les tours Raptors que j'ai sont des vrais sit-up shiny sortis de l'œuf. Hein, à la sueur du front. Et de la bicyclette. Mais en fait, il faut vraiment faire attention avec l'Hyporoi, c'est au niveau des. Ah! Surtout qu'en plus de ça, j'ai mis la pluie, donc du coup, avec le talent glissade, je vais très vite. Ah, la sécheresse qui arrive. Ah, ça c'est pas bon pour moi.
Qu'est-ce que j'ai contre ce truc? Ah, c'est dommage que j'ai pas mon florge dans les parages. Un petit peu de boost, c'est super ça. Ça tient, ça tient. J'ai pas eu de chance avec la balle ombre. J'aurais bien aimé une petite baisse de défense P, ça aurait été pas mal. Et une saleté en moi. Arceus Shiny, faut pas pousser non plus. Oh, le Majaspic, j'avais oublié celui-là. Je fais avoir mal. Alors, le Majaspic contestation. Donc en général, il est soit avec les lunettes, soit Scarf. Et j'évite l'attaque. My bad. J'ai de la chance sur ce coup. Pour l'instant, le laser glace, oui, c'est bien. C'est mieux que de faire ébullition sur le trito. Alors le match d'avant, Zekriam, je gérais pas du tout. Et disons que je gère dans le sens où il y a certains Pokémon que je vois en face et que je connais plus ou moins parce que je les ai croisés assez souvent. Je sais que le Dracaufeu, moi je m'attendais plus à un Dracaufeu X en fait, et quand j'ai vu le Dracaufeu Y, j'ai fait ah. Parce que c'est l'équipe en fait, ça gère pas forcément tout ce qui est physique. Emiliobelus, ouais, il est magnifique en shiny comme ça, mais je l'ai aussi. Oui, en fait le gif c'est qu'en fait comme je suis assez tête en l'air quand je fais mes combats, je me suis dit lui il va très bien là-dessus.
Bah là, si j'ai pu poser mes pièges de roc en fait en face de Majaspic, donc là c'est vrai que le Pyrax il va prendre vraiment cher. Le papy pour l'instant je l'ai pas testé donc j'attends de le tester un peu à côté et après pour le jouer parce que de voir avec quoi je peux l'accompagner. Le gif personnellement je vois pas il cache pour quand même le truc hein. Enfin, je vois pas de la transparence en fait pour les. Oh ça c'est pas grave hein. Parce que d'accord j'active son talent mais il suffit que je me mette en face avec le trito et que je stole, y a pas de souci hein. Au final le toxique il va faire le travail hein. C'est mieux, enfin je préfère le toxique que le brûlé. En tout cas, bien joué, Ivy. C'est honnêtement, c'est, faut pas hésiter à faire des combats. C'est là peut-être j'ai eu de la chance où j'ai, enfin où j'ai aligné une équipe qui justement contrait bien certains de tes Pokémon. Mais après, faut n'hésite pas à repasser, à recombattre. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est plus on en fait, on fait de matchs, plus on gagne de l'expérience et plus ben. On y arrive. Et parfois, c'est pas forcément les Pokémon les plus puissants qui vont forcément nous faire la game. Hein. C'est des fois j'ai vu des Pokémon comme Cryptero, franchement, c'était une horreur ce truc, je connaissais pas du tout. Bah, j'ai connu et ça fait mal. Donc Pokéfan, hop, il me faut ton code ami. Parce qu'il me semble que si je remonte, est-ce que je l'ai? Non, si tu me l'as redonné. Alors, je regarde les codes amis. Ouais, Karatroc, c'est chiant quand on connaît pas. Je suis en train de chercher dans le chat de remonter. Hop, donc j'attends juste que tu me rajoutes. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur non plus au passage. Non, tout est bon. Donc mon code ami, il est en haut à gauche.
Allez, le cryptéro en plus 6 avec force ajoutée, bam, dans tes dents. Ben c'est tout ce que je te souhaite, Ivy, d'avoir un shiny pendant le live. Que même si tu as pas, enfin, si le combat a été perdu, même que au moins que tu aies la chance là-dessus. Le score vol, ouais, c'est le début en fait. Je pense que honnêtement, tu aurais gardé le score vol. Je l'aurais conservé, je pense qu'honnêtement, il pouvait faire la plupart de mes Pokémon, déjà le Lugulabre et le Drascor y passer. J'attends ton rajout, un Pokéfan. Et après, vraiment, dans une équipe qui est un petit peu balance, c'est vraiment d'avoir deux tanks, un tank spé, un tank physique. D'avoir aussi deux sweepers physiques et deux sweepers spéciales, vraiment pour avoir un équilibre. Là, ce que je voyais, c'est il y avait que le Tranchodon qui était sur le physique, en fait. Allez! On est reparti pour les combats. J'arrive, j'arrive. Tout cas, hier, j'étais super contente à la fin du live. J'ai eu mon Absol Shiny. Et ensuite. Et ensuite, j'ai eu mon Karmash sur ma version. Ma version X et Ima, oui, Team, elles sont équilibrées comme ça s'appelle. C'est hyper offensif son ton truc. Donc il me semble que c'est ça pour le combat. Non mais Lynn, il fait que dans l'offense, hein. C'est les trucs qui stole, il s'en fout, hein. Il aime pas ça, il faut que ça tape, faut que ça bourrine. Ah le stole, moi j'aime pas ça. C'est déjà quand je prends mon floor, c'est déjà il stole tout seul, hein. Quand il fait bien son travail. Alors qu'est-ce qu'il y a un cache? Oh, oh, je vais me faire plaisir avec cette équipe. Mon Dieu. Oh, ça va être sympa ça à faire. Ectoplasma pour commencer. Intéressant. Ah mais en plus c'est la méga, d'accord. Vive le truc Uber. Impétueux, joli le Uber.
Le Yann Mega Shiny. J'ai pas croisé en Shiny, je dois avouer, il est vraiment pas mal. Le seul Uber vraiment que je dis, il n'y a pas de souci parce qu'il est, il est pas banni dans le format Jeul, c'est vraiment Amphinobi. Mais parce que c'est. Je le crois. Enfin, on le croise assez souvent dans notre format. Le Sharpedo qui va faire une jolie petite. Un petit abri pour le turbo. Même pas. Et non, il peut pas méga évoluer, je suis bête. C'était le. Oui, Amphinobi et Uber en Smogon, Ima. Mais c'est moi le Sharpedo, je le préfère avec le talent turbo. J'ai déjà joué Mega Sharpedo et il est vraiment excellent. Ah, un conseil, ne pas forcément spammer toujours la même attaque. Bon, si c'est Scarf, c'est sûr, mais ça permet de placer le Trito avec son petit boost. Là ça sert à rien de rester, hein. Moi c'est je prends les boosts d'attaque spé. Le talent lavabo tu absorbes l'eau. Hein. Salut Bloody! Alors, crochet venin sur Sharpedo, enfin, il y a un set que j'aime bien, c'est vraiment. Je préfère les crocs-givres avec la mâchouille. Cascade et l'abri, mais bon, c'est vraiment pour le jouer avec turbo. Parce que peau dure est pas. Autant sur un Karchakrok, ok. Mais là, sur le Sharpedo, la peau dure. Il a un talent qui est largement au-dessus, donc c'est. Après, c'est personnel. Pyrony, il n'est jamais shiny, ou il sera shiny strat, mais pas là où tu veux. Moi j'ai déjà deux Pyrony, donc je peux. Un qui a pas l'attaque spé en shiny, et le deuxième il a pas la vitesse. Il sert à rien. Parfois les sets originaux ça crée une surprise, on s'attend pas à ce set là et ça peut faire des trous mais il faut vraiment bien l'accompagner aussi derrière. Merci Bloody. Ah non mais le Pyrony c'est une affaire entre le jeu et moi maintenant. Je l'aurai, Spironi. Je veux mon Pyrax Shiny. J'y mettrai le temps, mais je l'aurai.
Non, mais Finombi en shiny, il est magnifique. C'est tout simplement. Alors, le hentai sur mon layout, il est juste derrière le combat en fait. Il dort. Salut Veden! Allez mon petit piaf, viens ici. C'est pas mal, mais bon. Salut Mimirk! Ouh, ça sent le piège à plein nez. À plus, Sylvie. Ah, il a pas mal les pièges. Dieu, tu sors. Et voilà. Trito, ouais, super Trito. Alors Bloody, le Riolu Shiny, moi j'en ai eu, mais c'est par Masuda. Cette expression, je la connaissais pas. Par contre, il est un peu malade le Trito. Là, honnêtement, il y aurait eu le magnet jaune aurait eu magnet piège. Bon, je pouvais dire au revoir à mon Nidoraptor. Hein. Après, je sais pas ce que tu as mis comme si tu as pris analyste. Normalement, ça devrait pas faire trop de. Ça devrait passer.
Karcha. Salut Bazooka! Et le gros morceau. Super Trito! Dommage. Non mais Karcha là, il peut faire un véritable massacre en fait. Vu ce qu'il me reste. Et la petite vengeance du piaf. Je m'attendais quand même à perdre le piaf à la fin. En tout cas, bravo Pokéfan. Donc n'hésite pas à retenter ta chance une autre fois. Il n'y a pas de souci, je fais des combats. Je vais faire des combats assez régulièrement. Je vais streamer aussi assez régulièrement. Donc, dans la liste d'attente, nous avons Doctor. Donc, Docteur, c'est quel est ton pseudo in-game? Où est-ce que vous voulez que entre-temps, je change de team? Manière de voir, vu qu'il y a Docteur, il y a Kalinor, et ensuite je refais un match contre MPTU. D'accord, est-ce que vous voulez que je change d'équipe? Hein, oui. Docteur, est-ce que c'est bon, je change d'équipe, ça ne te dérange pas? Bon, vous êtes deux à vouloir que je change. Ici. Ah. Ah, reviens ici, toi. Donc je range un petit peu à l'arrache, je suis désolée. Il est où le dernier? Il est là. Non, c'est pas un échange, c'est un combat qu'il me faut faire. Moi je dis Florge. Mais après les deux, ça peut se dire.
Ben, n'hésitez pas, c'est si vous voulez tester des équipes, je vous encourage à le faire même. Et je vous encourage aussi d'utiliser vraiment Poké Tools, parce que c'est un outil qui vous permet de créer vos équipes stratégiques sur le papier, de bien mettre les sets, de bien faire tout bien paramétrer, voir la balance défensive, où c'est que vous allez vous taper des faiblesses, tout ça, c'est vraiment génial cet outil. Oui, je sais, j'essaie de vendre. Non, mais Azelma, c'est Azelma, hein, c'est tout. Je préfère pas parler dessus. Oh! Eh ben voilà, une fleur j'en passe. Et un méga Absol, je suppose. Ça va être sympathique. Il y a du beau monde, n'empêche, dans ton équipe. J'aime bien. Après, je suis curieuse de voir le set de ton flange. Non mais Azelma, disons que à part pomper des choses sur d'autres sites, voilà quoi. Désolé s'il y en a qui l'apprécient sur le chat, mais moi non. Alors le petit charpedo, il va me faire quoi? Retirer. Le fortress. Une 3DS captureur pour 100 euros, je pense que c'est juste la capture bord, c'est pas la 3DS qui est avec, hein. Les pièges de roc, saleté. Et des picots? Non, retirez. Oh, j'ai bien fait de faire ça alors. Le principe c'est super, mais quand tu vois que tu fais des vidéos juste pour des viewers, donc tu fais tes trucs à l'arrache, genre un Donphan avec les pièges de roc, c'est type sol. C'est impardonnable! Alors une 3DS normale peut intégrer un capture board, mais il faut à ce moment-là le commander ou faut envoyer ta 3DS. Et en général, c'est pas 100 euros. C'est plus 200. L'installation. Allez, 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 joueuse jusqu'au bout. Ah non, non, non! Oui, il existe des deux DS Capture Board, ça existe.
Ouais, c'est à peu près ça, Bazooka. Bah, c'est le jeu, hein. Moi, je suis contente que ça arrive quand j'ai mon Sharpedo en face d'un. D'un Scorvol quand il arrive à Finch, je suis contente. Donc, c'est le jeu. On peut pas gagner à tous les coups avec le Finch, hein. Et je sais pas si mon. Si mon. Ah non, c'est. C'est pas grave. Non mais une 3DS, honnêtement, la 3D elle sert à rien. Elle sert à rien la 3D, c'est. Oui, au revoir le Voltali, ouais, c'est ça. Le truc auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai tellement en fait l'habitude de jouer Sharpedo, voire des sets un petit peu plus classiques, on va dire, que le séisme, je l'oublie assez facilement celui-là. Alors le Shiny Hunting, voilà, je fais encore deux matchs, donc un contre Kalinor et le deuxième contre Impetu, et après je passe au Shiny Hunting. Donc en Shiny Hunting, vous aimeriez voir quoi précisément du Navidex, des rencontres comme ça. Ouais, mais celui-ci sera bientôt fini, hein. Alors, des hordes, je note. Deux pour les hordes. Trois pour les hordes. Donc maintenant, c'est bon, je partirai sur des hordes, mais est-ce que vous avez une préférence au niveau des hordes que vous aimeriez, est-ce que vous aimeriez voir? J'aurais dû faire une danse Draco avant, de plus. J'aurais dû rester sur le Fortress et me setup. Oh la connerie! Et maintenant j'ai impudence. Au Bali. Au Bali, en fait, je l'ai déjà. C'est plutôt Stalgamin qui m'intéresserait. Et là, en fait, je viens de remarquer que quoi que je mette, je vais me faire défoncer. Enfin, au Bali, c'est vraiment dans la grotte Tréfonds, et encore, il faut que dans cette saloperie de grotte. Il faut que je puisse avoir. Enfin, que la marée soit basse. Non, non, mais c'est moi en fait. Là, je. Non, ce qui me reste en fait, c'est je me tape les faiblesses combat en fait.
Merci Angel pour le follow. Non, je n'ai pas main de griffe. On vit des prioritaires. Et sachant que c'est pas une version physique que j'ai, mais une version spéciale en fait. Parce qu'en version physique, j'aurais. Enfin, là, j'aurais fait vite extrême. Hein. J'aurais pas cherché plus longtemps. Maryl, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai en shiny, mais j'ai pas. C'est tant que j'ai pas la famille, ça va quoi. T'as bien joué. T'as su conserver ton Scarino jusqu'à la fin. Donc voilà, ça se fut rapide. Ah, les scarfs, enfin, ça je le note. Scarino scarf, c'est pas. Roselia aussi, c'est. Justement, en parlant de Roselia, c'est. Il y a des Marils avec. Donc ça peut faire les deux en même temps. Donc du Tarsal, j'avais déjà essayé. Ah, la coupure de Nintendo à la fin, magnifique. Alors, Kalinor. Donc bientôt le Shiny Hunting, comme ça vous permettra de refaire vos équipes pour peut-être tout à l'heure je reprendrai des codes amis. Donc ça dépendra peut-être vers 6h30. Non, 6h30 ça fait quand même tard. Enfin, je vais voir. Quand même qu'on ait une petite heure de Shiny Hunting, ce serait pas mal. Bonne chance à toi aussi, Kalinor. Je pense que je vais me faire encore laté, mais c'est pas grave. C'est en fait, moi, j'en profite de ces streams-là pour tester des équipes, de voir si ça tient un peu la route, toujours dans le format JOL. Après, il faudrait que c'est... faudrait que j'ai d'autres... d'autres équipes faites, mais en OU cette fois-ci. Oui, c'est bien moi, Aurore. Il y a déjà deux trucs que j'aime pas. quand je les vois en face. Oh, le plan bizarre. Le flanc bizarre et le Ténéfix. Oh non. Bazooka, c'est gentil. C'est là pour. Enfin, j'ai déjà fait des insécateurs en fait il n'y a pas longtemps. Bon, c'est vrai qu'ils ont pas ces egg moves, mais c'est pour le jouer juste offensif, c'est suffisant. Mais après, sur les gens du stream, peut-être ça intéressera. Un armure pour commencer, ouais! Alors, les tiers JOL, en fait, c'est un format assez spécial. C'est un format en fait où vous avez 30 points pour faire une équipe. Sachant que les Pokémon qui sont trop forts, bah, il y en a qui sont soit bannis, soit ils sont à des très 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 gros coups. C'est-à-dire vous pouvez pas avoir deux Pokémon à plus de 8 points, par exemple. Bah, l'insécateur en shiny, je l'ai eu, mais il est pas jou enfin, il était pas jouable. Mais si Zayox, c'est pas mon. En shiny, je le trouve quand même assez moche, comparé au normal. C'est comme le Dimoré, il y en a qui l'aiment pas du tout en shiny. Mais bon, il est pas là donc. Donc je peux pas persifler correctement et troll correctement. Voilà docteur, oui voilà. Moi non, moi je l'aime bien le Dimoré. C'est dommage en fait que je l'ai pas. C'est pas mal parce que je l'aurais appelé Mugun.
C'est les shiny, franchement, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a, enfin, Pyrax shiny, je l'aime bien. Et certains l'aiment pas du tout. Et c'est comme Arcanin en shiny, je trouve que c'est une hérésie. C'est de passer du beau toutou au golden toutou. Non, merci. Voilà Ima, c'est bien. Enfin, Ima, il adore les shiny roses. Par contre, les shiny un peu turquoise, genre les alligators, enfin, c'est qu'il les aime bien, mais eux, il l'aime pas. Vu comment ça galère à trouver. Salut Tad! Alors le Nidoran mâle, bonne chance pour l'avoir. Comme il faut, hein. Oh, cette couleur. Je suis éblouie. Aïe, aïe. Chut, voilà, suffit. Moi j'ai le charme chroma sur deux versions et sur les autres je ne l'ai pas du tout. Donc si vous voulez voir de la chasse à l'ancienne, je peux le faire, mais ce sera pas sur cette version. C'est vraiment pour le Masuda, c'est le charme chroma, c'est un gain de temps et tout ce que vous voudrez me dire. Allez, je tente le axe. Le double imbri qui passe, le truc qui passe jamais d'habitude. Oui, le troisième, ça passera pas avec moi. Bon, c'est pas grave. Pointu, j'aime pas. La prio qui fait du bien. C'est ça le charme chroma en fait. Il y a des fois où c'est nickel. Le flambusard. Pas de brave bird? Il est où le brave bird? Mon Dimoré est plus rapide sur la prio, intéressant. Bah, j'en suis pas loin de ce chiffre. J'ai dépassé ce chiffre-là pour au niveau Masuda avec les Grignotes. Et je le cherche toujours, c'est sur cette version-là en plus.
Oui, l'éclat glace est une prio, mais avec le talent, le rapace est une prio également. Au revoir Voltali. Toi tu reviendras plus sur le terrain. Saleté de TNFX. Bluff sur un TNFX. C'est pas courant. Je déteste TNFX. Non. Non, non, laisse mon Lucario comme ça. Allez, mon petit, fais le travail. Salut Cédric. J'ai horreur du TNFX. En fait, faut le renommer TNFX, faut mettre le Axe, le Troll, n'importe quoi, ça passerait, mais... Il est vraiment chiant. Et j'ai une chance formidable avec les TNFX, c'est que tout passe. Mais pas pour moi.
L'île Exprint. Allez, Georges, allez. Bon, allez, va te faire foutre, comme on dit. Mais j'ai pas Mascarino dans la team là. Je m'attendais pas à puissance cachée. Je m'attendais plutôt à un truc dans ce style ou un tonnerre. Waouh! Oui, effectivement, non, mais Ténéfique, c'est des choses qui vit pas bien, même un Nymphalie, il le vit pas bien, le Nymphalie. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut l'avoir. Et puis Ténéfique, nous. Enfin. Il y a un truc, c'est qu'il a honte folie, donc ton attaque, elle a une chance sur je sais pas combien d'y aller. Ah non, non, mais je switch pas sur. Voltali, si je le fais revenir, il est mort. Hein. J'ai mal. Et là, on voit vraiment la différence entre un Nymphalie et un Florge. Florge, il tape que dalle. Oh, mais c'est super sale le Ténéfix, hein. Et là, je suis en train de prier, quoi. Et ça passe. Mais encore, enfin, le méga Ténéfix, il est encore plus sale dans le sens où... avec c'est un farceur, donc les prix... Enfin, au départ, donc tu t'amuses du talent farceur et après, oh, tiens, t'amènes un truc avec des pièges de roc. Non, prends-les toi dans la gueule, là. Tous les statues dans ta tronche, c'est encore plus sale. L'onde folie. Moi je joue avec tricherie. C'est super marrant contre des flambusards. Oh, pour une fois ça passe pas. Non mais oh! Bah en fait c'est tu gardes ton talent tricheur, enfin tricheur, farceur, tu peux te soigner, tu fais tes pleines études, tu te mets bien et après tu méga évolues. Faut pas forcément méga évoluer tout de suite avec le méga TNFX. En tout cas GG Kalinor, très beau match, c'est très serré, honnêtement je me voyais pas le gagner. Suffit que le l'Alakazam ait fait un coup critique sur le choc psy, c'était foutu pour moi. Ou même que l'onde folie, voilà, que ça passe pas, mon attaque. En tout cas, bravo. Non, Kempetu!
Avant que je reparte chasser, il y a une petite, un petit match. Et en plus d'avoir décidé d'avoir Ténéfix en shiny avec son talent farceur, c'est très moche. C'est un coup à se faire troller, en fait. Je me suis fait troller. J'ai un magnifique Ténéfix shiny, mais avec frein. Super utile, en fait. Déjà, quand je l'ai vu, je l'appelais trop Lolo. Au final, c'est moi qui l'ai pris dans les dents. Florge, en fait, j'aurais pu passer le Ténéfix, ouais, mais dans le sens où, avec l'onde folie, c'est pas sûr. Parce que si rien ne passe, il suffit après d'enchaîner derrière et c'est foutu pour ma pomme. Alors, Némélios, le méga dardarnian. Liptom. Oh non, mais un hypnomade! Non, non! Non! Ça se fait pas, ça! Même si c'est original, ça fait très Stratalzelma pour le coup, l'hypnomade. Bon, ça va, j'ai pas de méga. De méga Florizarre, il contrôlera pas grand chose. Allez, on va y aller à la mode YOLO. Voilà, YOLO. Un Solourdeau, c'est. Honnêtement, c'est une grosse interrogation, moi aussi que j'avais. Non, pas ça, non, pas le Bidrill. Donc, il n'y a qu'une chose à faire contre ça. Alors, l'insolourdeau, il est là pour poser. Il pose des pièges de roc, il fait atterrissage, le regard médusant. Et je sais pas ce qu'il. Je sais plus ce qu'il utilise en attaque. J'ai un trou là. Je pense qu'MPTU pourra mieux te répondre. Ouais, mais c'est en fait. C'est qui tout double en fait avec le. Disons que Dimoré est très rapide. Il n'est pas autant aussi rapide qu'Ectoplasma, mais il est rapide. Donc on peut se poser la question de savoir s'il escarfe ou pas. Ouais, surtout les Voltali, docteur, oui. Pile poil ce que j'avais quoi. Mais ça peut aussi servir aussi avec les contre les Igualta. Bah voilà la question horrible. Un Solourdeau. Voilà le truc, il s'est pris un séisme de Scorvol. Il a pas bronché. Mais d'un poil. Que dalle. Moi en général quand je vois Dimoré contre Ekto, ça dépend de l'objet que peut tenir Ekto. Il y en a qui s'amusent à scarf les Ektos. Hein. Le Dodrio. Je le sens, mais je sens ce qui va arriver, gros comme une maison. Ah non, je ne m'attendais pas à ça, d'accord. Je m'attends pas à un retour du Dodrio. Je m'attendais plus à une quelque chose comme triple attaque en fait.
y a des joueurs qui sont plus prudents que d'autres, ou d'autres qui font qui vont à la YOLO, et des fois ça enfin de je veux dire, le pire dans Pokémon, c'est vraiment je sais que le mec il va switcher, donc si je fais ça c'est de la suranticipation, et des fois c'est il faut jouer à la première intention, des fois pas. Ah, j'ai perdu tout à l'heure, franchement, mais même avec la déco, j'aurais perdu, donc ça fera. Brrr, qu'il est dégueulasse. Ouais, mais là c'est Docteur, là il a fait qui tout double, là il a fait double, hein. Il a fait strike. Hein. D'ailleurs, Ima, il adore ce Pokémon. Lynn, t'es toujours là? Bon, il doit dormir. Non mais le hypnomane, faut le mettre dans une boîte, le mettre en collection, l'épingler et c'est tout. Ma team n'est pas complètement OU. Hein. C'est, je répète, je joue avec le format Jol. Ma team fait 30 points. Parce que si je sors une full team OU, c'est sûr que je vais sans doute sortir le Mega Flory, le Dracolos Multiscale. Bon, Finobi non, parce que c'est plus OU. Mais je vais ressortir ces saloperies là, en fait. Et avec le format Jol, je peux pas les avoir parce qu'ils coûtent. Ben, le Multiscale, le Dracolos Multiscale, il est ban déjà. Mais Pyrax il coûte 10 points, donc sur 30 points, à côté j'ai intérêt à prendre vraiment des trucs genre l'un sous le lourdeau. Mais le Armaldo, s'il est bien lancé, c'est assez surprenant son truc. Et puis quand on a un Scorval en face, c'est qu'on a rien pour le passer, pas d'attaque glace pour le foutre à mal, c'est difficile. Scorval, c'est vraiment de la saloperie. Enfin, avec le Armaldo, il me semble qu'il y a il y a d'autres sets que celui-ci. Il y en a un qui était pas trop mal et qui marchait bien. Et là, l'insolourdo, il a pas pu faire son regard médusant parce que Scorval en étant empoisonné. Un chenipan avec 7 IV. En général, c'est 6 IV. Maximum. En tout cas, GG Impétu. Bah déjà, la team que j'avais sortie avant, elle m'a bien défoncé. Les IV, c'est individual value.
Ah, Scorvol, il est chiant, hein. C'est honnêtement, c'est je sais que Scorvol est un mur, mais faut pouvoir le placer correctement et pas le perdre en cours de route. Donc voilà, donc on va passer à la chasse. On va faire une petite pause au niveau des combats. Hop. Évidemment, ça me fait tout bugger. L'écran du bas, génial. Donc on a dit du Roselia, de l'Obali, du Maril. Donc je vais me diriger ici. Ah mais enfin, il est de nature. En fait, mon Scorvol, il est de nature malin. Il a pas la danse lame, mais. Mais enfin, il a la danse lame, excusez-moi. Il n'a pas le clonage. Voilà, excusez-moi. Je vous dis quand même bonjour à mon chéri, il vient juste de rentrer du travail pendant que d'autres stream. Donc on avait dit du shiny hunting. Et maintenant on va se faire chier. On va pouvoir faire la causette. Non, le Scorvol, c'est vraiment un set plus ou moins classique qu'on trouve pas mal sur Jol. Hein. Jolie horde de Roselia. Une. Oula, excusez-moi. Je veux faire des choses. Ah, c'est en. Embêtant. Ah. Donc j'espère trouver le shiny assez rapidement. Masuda, ça prend énormément de temps, sachant qu'à côté je suis quand même sur du Pyrony hein. Également. J'ai juste fait un truc pour. Ah! Je m'en mêle les pinceaux, c'est pas bon. Alors, l'œuf en fait dans mon inventaire, c'est en fait comme je faisais du Masuda avant que je fasse du stream. Donc c'est un Grignot. Ah, ce serait assez marrant le zigzaton shiny parmi les mystères. Bah. Et j'ai pas forcément envie de faire d'œufs. Du moins pas tout de suite. Oh, ça va, les Roselia arrivent assez rapidement. Je vais faire juste, je vais essayer un petit réglage vite fait. Parce que cet écran du bas, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Mais il le fait. Pour vos chasses au niveau shiny, si vous n'avez pas de compteur, je vais vous linker dans le chat. Un petit lien en fait qui est pratique, surtout si vous faites du Masuda. Hop! Donc ça vous permet de.
Oui. Mais c'est un format qui n'est pas forcément connu, le JOL, c'est vraiment un format qui est voulu pour éviter de se retrouver toujours avec les mêmes types de teams, avec toujours du Pyrax, du Karcha, des trucs comme ça. C'est vraiment pour limiter, d'avoir un petit peu plus de diversité, d'avoir un peu plus fun. Même si parfois quand on voit X Team Stall, on essaie quand même de. Le format essaie de s'équilibrer au fur et à mesure et c'est pas évident. Il faut vraiment réfléchir et construire son équipe. Parce que si elle est trop légère, il suffit qu'il y ait des pièges de roc et toutes ces saloperies et c'est fini. Alors, Bloody, moi dans mes. J'ai un safari poison, j'ai un safari électrique, j'ai un safari insecte, et celui de la 3DS capture, c'est un safari sol. Non, ça rencontre pas. Enfin, mais les rencontres simples, tu le fais en. Tu mets reset, c'est pareil, hein. Que c'est le même la même probabilité. Donc si j'ai un shiny avant la fin du stream ici et que j'ai encore du temps, j'essaierai le Tarsal. Les safaris dragons ne sont pas forcément très courants. Faudra aussi de temps en temps que je mette ma version X à capturer, manière de faire un peu de safari et surtout du Pokéradar. La méthode ignoble par excellence, c'est la méthode où on croit bien y arriver que et se faire toujours piéger par une herbe à la con. 100% rage garantie. Après, je ne sais pas vous si vous êtes adepte du Pokéradar, mais moi, ça me fait toujours enrager. Non mais c'est comme ça, c'est le jeu s'appelle Pokémon X, hein, c'est pas une version débridée ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas décadent. Ah mais c'est le risque en fait de casser à 35-40, mais des fois le shiny arrive avant. Moi ça m'est arrivé, j'ai brisé des chaînes de Pokéradar, je recommence pour refaire une chaîne et le shiny est dans la première herbe.
Alors, le reset de fossiles, c'est une possibilité aussi que je peux faire. Il faudrait que je farme sur les îles Mirage ou que, avec ma version justement X, que j'aille ressusciter des fossiles. Mais même si, là je viens de réfléchir, c'est possible également que je fasse du reset, mais de starter d'OG. Si ça vous intéresse. Toujours pas de shiny. Non, j'ai pas envie qu'il me fasse le même coup, genre une ou deux hordes après. Tiens! Tiens, t'as fait ton live, c'est terminé normalement, mais non. Si, y a du maril! Si, si, la preuve. Y a pas d'arnaque, c'est la bonne route. Je crois que c'est la première qu'on croise. Bah en fait, c'est que les starters de G comparés aux autres starters, en fait, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à reset parce que le shiny on le voit directement s'il est dans la Pokéball. Et puis c'est intéressant si tu veux en fait toute la collection, toute la famille, c'est des resets qui sont très rapides à faire. Donc si tu le massoudes et que t'en as marre de le massouder, tu peux passer par le reset pour l'avoir en shiny. Ou tu peux le temps que tu le massoudes. Voilà, bref. C'est les resets les plus sympas à faire. Je trouve parce qu'ils sont rapides et tu resets non pas un Pokémon mais trois Pokémon à la fois. Oui, d'accord, ils pourront pas être strats, mais tous les shiny ne sont pas faits pour être forcément strats. Là, mon starter, la ligature, ben, je l'ai fait strat, mais j'en ai eu deux starters en 2G avant. Ça m'empêche pas de les massouder. Combien de temps ça fait depuis Noir et Blanc 2? Parce que avant, disons que je tombais sur des shiny comme ça de temps en temps, mais sans forcément les chercher. Et c'est vrai qu'il y a une partie de Pokémon que, au niveau de la communauté, si on connaît pas du tout, ou si on voit pas de vidéo, on se dit, on pense pas, on se dit pas, on n'a pas l'envie de chasser en fait.
Donc là, je sais pas jusqu'à quand je vais chasser. Si je trouve le shiny, je me demande même si je vais pas relancer quelques combats. Ça dépend, avec le charme, ça peut aller très vite, comme ça peut être très très long. Ça dépend, faut de la patience. Sachant que de faire les rencontres, c'est beaucoup plus rapide que de faire éclore des œufs. C'est faut vraiment avoir la foi pour le faire en Masuda une fois que ça dépasse plus de 400 œufs. Allez, un petit shiny en live, ça pourrait le faire. Ah ben voilà, une deuxième horde de Marill. Ce n'est pas un mythe, ils existent. Salut Nofri! Donc en fait ce que j'essaye c'est d'essayer d'avoir un shiny dans la horde. Et sinon, juste avant, ben, je faisais des combats Pokémon. Donc là, plus je vais lancer de rencontres en horde, plus j'ai de chances de tomber sur un Pokémon shiny, donc d'une couleur différente. Non, il n'y a pas de Nightbot. Rebloody. Voilà, c'est juste pour le skin, ils ne sont pas plus forts, c'est juste qu'ils ont une couleur différente. Quand c'était sur les vieilles versions or et argent, il y avait un bonus au niveau des stats. Mais c'est tout. Sur les autres versions, ils n'ont pas refait la même chose. Ça n'a rien de plus. C'est juste la couleur. C'est juste que ça brille. C'est rare. C'est une collectionnite aiguë. Et ça permet de faire facilement la discussion. Ah. Après, il y a différentes façons de les chasser, plus ou moins dures. Bah écoute, faudrait presque que je screen ça et on l'envoie Metal Chewbacca. Enfin, il faudrait déjà que je reprenne ma version sur 4G pour le chasser, mais pourquoi pas à la rigueur. Faudrait que je vois sur Navidex si c'est faisable sur 6ème génération. Ça pourrait être bien, ça pourrait être marrant, au Navidex, aller chercher un troll. Bah, The Roi, il est magnifique. J'ai eu Masudé 3 fois le The Roi. Donc, The Roi, une fois sur 5G et 2 fois sur 6G parce que c'est un de mes shiny préférés. Il y a un de mes Pokémon préférés.